10 ans avant Blanche-Neige et les Sept Nains, une femme réalisait l'un des tout premiers longs-métrages d'animation, Lotte Reiniger. Hélas, pour cette cinéaste indépendante, impossible de faire le poids face à la machine commerciale Disney. Bienvenue dans Pionnières, la série qui met en lumière les femmes oubliées de l'histoire du cinéma. Née en 1899 à Berlin, Lotte Reiniger est très tôt fascinée par le théâtre d'ombre, un art très ancien, originaire d'Asie. Petite, elle découpe des silhouettes en papier qu'elle offre aux anniversaires et sa famille, fascinée par ce don, l'encourage. Mais après avoir assisté, en 1915, à une conférence sur le cinéma d'animation, elle décide de prendre des cours de théâtre. Elle joue des petits rôles, mais c'est en sculptant au ciseau les profils d'acteurs célèbres que le réalisateur Paul Wagener la repère. Il lui commande l'affiche de son nouveau film, Le joueur de flûte de Hamelin, ainsi que les silhouettes du générique. Ces découpages attirent l'attention d'un groupe d'artistes qui lui propose de venir travailler à l'Institut de recherche culturelle de Berlin, qui dispose d'un studio d'animation expérimental. Là-bas, elle réalise en 1919 son premier film, L'ornement du cœur amoureux, en collaboration avec Karl Koch, qui deviendra son mari et caméraman attitré. C'est le tout premier film de silhouette de l'histoire du cinéma. Le travail de Lotte est très long et minutieux. Ciseaux dans la main gauche et feuilles de papier dans la main droite, elle découpe ses silhouettes avec une dextérité incroyable. Les parties du corps et les accessoires de chaque personnage sont indépendants, articulés grâce à du fil de fer, puis le tout est lesté de plomb et aplati. Certaines silhouettes comportent jusqu'à 50 pièces. Elles sont ensuite posées sur des plaques de verre éclairées par en dessous, couvertes de transparents colorés, illustrés à la main. Pour créer le mouvement, Lotte manipule chaque élément des silhouettes et du décor, puis les photographie plan par plan. Pour une seconde de film, il fallait 24 images. Dans les années 20, le couple fréquente l'avant-garde intellectuelle et artistique de l'époque, comme le dramaturge et metteur en scène Bertolt Brecht ou encore le cinéaste Jean Renoir. Tous deux collaboreront à plusieurs courts-métrages de Lotte, et réciproquement. Jean Renoir dirait de ses films qu'ils sont « l'expression visuelle de la musique de Mozart ». La musique classique jouait un rôle primordial dans l'œuvre de Lotte, notamment pour accompagner les mouvements des personnages. La cinéaste collaborait avec de nombreux compositeurs de son époque, mais adaptait aussi des opéras comme « Carmen » de Bizet, « La belle Hélène » d'Offenbach ou « La flûte enchantée » de Mozart. Elle écrivait pour ses films des histoires originales, mais transposait aussi les contes des frères Grimm, d'Andersen, les fables de La Fontaine ou des personnages de romans populaires. Si elle adorait travailler pour les enfants, certaines adaptations s'adressent à un public adulte et font dans l'érotisme ou la satire sociale et politique. De 1923 à 1926, Lotte Reiniger travaille sur les aventures du prince Ahmed, inspiré des contes des Mille et Une Nuits. Le film dure 65 minutes. C'est l'un des tout premiers longs-métrages d'animation de l'histoire du cinéma, 11 ans avant Blanche-Neige de Disney. Pendant le tournage, elle met au point le concept de caméra multiplane pour donner de la profondeur aux images. 10 ans plus tard, les studios Disney perfectionnent la technique et s'accaparent l'invention de Lotte. Pendant ce temps, la réalisatrice affine sa technique. Les contrastes et lumières sont travaillés à la manière de l'expressionnisme allemand et les mouvements synchronisés avec la musique. Lotte excelle dans tous les genres. Romantique, épique, angoissant, onirique ou poétique, ses films intemporels sont empreints de modernité. Elle réalise en 1928 un deuxième long-métrage, Dr. Dolittle and His Animals, inspiré du personnage créé par Hugh Lofting. Malgré l'immense succès critique du prince Ahmed, qualifié de chef-d'œuvre et projeté jusqu'à Paris, Lotte et son mari ont du mal à décrocher des financements. Il réalise quelques publicités et Lotte, artiste polyvalente, conçoit costumes et décors pour le théâtre, met en scène des pièces et travaille comme illustratrice dans l'édition et la presse. En 1935, Karl et Lotte fuient l'Allemagne nazie et s'installent en Grèce, en Italie ou à Londres jusqu'à ce que leur visa expire. En 1944, ils retournent à Berlin pour s'occuper de la mère de Lotte, malade, puis quittent définitivement l'Allemagne 5 ans plus tard, direction l'Angleterre. C'est une période très prolifique pour Lotte, qui réalise de nombreux courts-métrages pour les télés américaines et britanniques, ainsi qu'une douzaine de films. En 1954, la Biennale de Venise lui décerne un Dauphin d'argent pour son film Le vaillant petit tailleur.
L'auteur Heiniger se décrivait comme une artiste des cavernes. Pionnière de l'animation et génie du stop-motion, obsédée par le mouvement, elle a réalisé une soixantaine de films, dont 11 ont été perdus. Son travail, redécouvert dans les années 70, reste largement méconnu du grand public. Mais de nombreuses copies restaurées sont facilement accessibles sur Internet. Si les studios d'animation ont toujours employé des femmes, les postes prestigieux revenaient aux hommes. Jusque dans les années 40, Disney refusait par exemple de former les femmes au métier d'animatrice, ne les embauchant que pour décalquer et colorier les personnages, sans pour autant être créditées au générique. Aujourd'hui, si les femmes sont aussi, voire plus nombreuses que les hommes à étudier l'animation, elles restent minoritaires dans les studios, davantage encore au poste d'encadrement. Und da passiert es mir einmal, ich ging gegen ein bestimmtes Kino in der Kantstraße und da war ein Film angezeigt, Dornröschen. Den wollte ich natürlich besonders sehen, weil ich war ein Märchen-Fan, nicht? Und wie wir da hinkamen, da war dieser Film abgesetzt und spielte nicht mehr. Darauf fing ich so entsetzlich an zu heulen, dass die Damen, die dieses Kino leiteten, den Film auf den nächsten Morgen wieder bestellten und den Operateur kommen ließen und mir persönlich diesen Film am Vormittag vorführten. Ich war darüber ungeheuer stolz. Aux États-Unis, elle représente seulement 16% des effectifs dans les départements animation. Et il a fallu attendre 2013 avec La Reine des Neiges pour voir le premier Disney co-réalisé par une femme, Jennifer Lee.